Voici nos amis Pocoyo, Pato et Ellie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, mais c'est une malle remplie de déguisements. Alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Vous le savez, les enfants. Ils vont se déguiser. Oui, se déguiser. Mais oui, quelle bonne idée. Histoire, histoire. Pardon. Ah, tu veux que je vous raconte une histoire, c'est ça? Et vous, vous ferez semblant d'être les personnages. Oh, oh, ça va être très amusant. Et ça tombe très bien parce que, justement, sans me vanter, je raconte assez bien les histoires. Allez donc vous préparer. Il était une fois, dans un très lointain royaume, un jeune prince connu dans le monde entier pour son courage. Ah, d'accord. Oh, non, non, attendez, les amis, on se calme. Le prince, c'est forcément celui qui a une couronne sur la tête. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous nous dire lequel des trois est bien déguisé en prince? Pocoyo! Eh oui, c'est Pocoyo! Désolé, les garçons. Bien, où en étais-je? Ah, oui. Donc, ce jeune prince était appelé Prince Pocoyo. Hourra! Et il était très courageux. Et très mignon aussi. Et fort. Ah, encore? Et grand aussi, évidemment. Mais le prince ne vivait pas seul dans son royaume. Oh non! Il y avait aussi une magnifique princesse éléphante. Qui avait... Non, pas d'oiseau. Merci, bébé oiseau. Au revoir. Oh là là. Je reprends. Elle était sans aucun doute la créature la plus douce, la plus adorable, la plus gracieuse de tout l'univers. Sa beauté et sa gentillesse faisaient l'admiration de tous. Sa force aussi. Oui, bon, d'accord. Non, c'est très impressionnant, Elise. Oui. Seulement, je ne pensais pas parler de ça dans mon histoire. Mais tu as raison. Une princesse qui soulève des haltères, c'est intéressant aussi. Je le reconnais. Bien. Alors, où en étions-nous? Ah, oui, voilà. La jolie et gracieuse princesse éléphante vivait dans ce château. Elle était amoureuse du prince. Et le prince l'aimait, lui aussi. Oh, je trouve que ça se déroule plutôt bien, finalement. Seulement, la princesse était affreusement triste. Elle ne pouvait pas aller jouer avec le prince Pocoyo à chaque fois qu'il venait la voir, car un méchant canard l'en empêchait et la retenait prisonnière. Méchant ! Il était cruel et fourbe et... S'il te plaît, fais un petit effort, Pato. C'est toi le méchant dans l'histoire. Écoute, je te promets que la prochaine fois, ce sera toi qui joueras le prince charmant. D'accord? S'il te plaît. Tiens, je te le jure. Bien. Donc, le méchant canard était vraiment cruel et fourbe et ça ne tournait pas rond dans sa tête. Plus faux que ça, peut-être. Oh, allez, encore un petit peu plus fou, Pato. Ce serait mieux pour l'histoire. Ah, comme ça, c'est parfait. Merci, Pato. Donc, quand le canard vit le gentil prince approcher, il décida de lui faire peur pour qu'il s'en aille à jamais et il appela son terrible dragon. Un dragon qui pouvait cracher du feu.
Eh oui. Le dragon bondit sur le gentil prince et commença à lui faire des bisous. Oh, mais non! Mais bon, tant pis. Et, évidemment, le méchant canard se mit très en colère et il envoya son meilleur guerrier, le dodo chevalier, et son imposante armée de soldats. Oui, bon, rebonjour, bébé oiseau. Cette fois-ci, le pauvre prince Pocoyo se retrouva encerclé. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. Que pouvait-il faire? Ah! Il invita tout le monde à un super pique-nique. Mais pourquoi je posais la question? Il les invita aussi à faire une sieste dans son lit. Mais le méchant canard était toujours aussi furieux contre lui, tellement furieux qu'il se mit à arroser ses plantes. Ah, ça c'est étonnant. Et la princesse éléphante décida d'aller faire un tour en trottinette. Ellie, mais c'est moi qui raconte l'histoire. Quant au prince Pocoyo, il fit un tour dans sa voiture. Et le méchant canard, lui, acheta un canari au marché. Bon, une petite minute. Mais ça y est, je sais. Oui. Il était une fois une bande d'amis formidables qui aimaient par-dessus tout se retrouver et jouer ensemble. Oui, oui. Oh, je l'adore, cette histoire. Un grand bravo pour les conteurs d'histoire et un autre pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.